نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، nous sommes donc toujours dans la série de cours, ou plutôt au deuxième cours, concernant le cours que Cheikh Mohamed bin Hadi al-Madkhali, hafidhahullah ta'ala, a fait en rapport aux événements actuels dans les pays musulmans. Et on est arrivé au point où Ibn Abbas radiallahu anhuma a dit innamal fitnatu bil lisan wa laysat bil yad wa sadaqa rahimahullah radiallahu anh idh al kalimatu taftiku ahyanan ashadd min fatki al sahmi bila qaws wa la watar. Et on avait vu le sens de cela, et on avait dit que Ibn Abbas radiallahu anhuma, il avait dit la fitna n'est que par la langue et pas par la main. Et il a été véridique dans ce qu'il a dit, radiallahu anhu wa ardah, car la parole des fois tue plus que la flèche sans arc ni corde. Ça, c'était la dernière parole qu'on avait rapportée dans le cours précédent. Et je rappelle les conditions que j'avais énumérées au début du cours précédent, et j'avais dit que c'était un cours, que ce n'était pas un débat, et que je ne permettrai à personne de faire une intervention, de dire quoi que ce soit. Et encore une fois, je le répète, si quelqu'un a le moindre problème avec ce qui est dit aujourd'hui, eh bien qu'il appelle Cheikh Mohamed bin Hadi al-Madkhali, hafidhahullah, parce que le cours, ce n'est pas mon cours, c'est le cours du Cheikh, je ne fais que le traduire. Donc s'il y a un problème avec ce que le Cheikh dit, eh bien le Cheikh est encore vivant, hayyun yurzaq, comme on dit en langue arabe, et le numéro je l'ai, donc celui qui veut, inshallah, l'avoir et débattre avec le Cheikh, parce qu'il n'est pas d'accord avec ce que dit le Cheikh, hein, en espérant qu'il a assez d'arabe pour débattre avec le Cheikh, assez d'ilm pour le faire, eh bien qu'il le fasse. À la kulli hal, on est arrivé donc à la parole de An Hudayfa ibn Usayd radiallahu anhu, قال أنا لغير الدجال أخوف عليكم. قال وماذاك؟ فقال رضي الله تعالى عنه فتن كقطع الليل المظلم. وساق الحديث طويلا أو طويل قليلا، والشاهد فيه قيل له أي الناس شر فيها في هذه الفتن؟ فقال الخطيب المسقع، مسقع كمنبر، والراكب الموضع من فعل أوضع يوضع. والحديث أخرج الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. Donc Cheikh il continue en disant, d'après Hudayfa ibn Asid, qu'il a dit, moi j'ai plus peur pour vous que de quelque chose d'autre que le Dajjal. Il dit, qu'est-ce? Il dit, des fitan, des troubles. Hein, on avait dit que c'était le pluriel du mot fitna. Vous avez dit que dans la langue arabe, le mot fitna, comme Cheikh Mohamed Amin Shinqiti, rahimahullah, il a dit dans son tafsir du Coran, Adwa al-Bayan, il a dit que le fitna dans la langue arabe, la base, c'est le fait de mettre de l'or dans le feu, pour que le pur se dissocie de l'impur. Hein? D'accord? Et il dit, des fitaines comme des nuits sombres. Alors quand vous retournez dans le charh du hadith de certains mashayikhs, vous savez que parmi les nuits, il y en a qui sont plus sombres que d'autres. D'accord? Hein? Comme au début et à la fin du mois, par exemple. Pourquoi elles sont plus sombres les nuits au début et à la fin du mois? Ben, la réponse, elle est simple. Hein? Parce que voilà, c'est les nuits où la lune est pleine, eh bien, elles sont plus éclairées, on est d'accord. Bien, Cheikh, un des Mashiach que j'ai trouvé dans le charh du hadith, il dit, tu n'y vois rien, donc tu ne peux rien distinguer. C'est-à-dire, la ressemblance ici, elle est faite avec les fitaines. Tu ne peux pas distinguer, quoi, le fasad min al-islah. Hein? Donc, le prophète, alayhi salat, ou en tout cas ici, c'est Hudayfa ibn Asid qui rapporte le hadith, et il dit, fitanun kakrita illayl al-mudlim. Il dit, des fitaines comme des nuits sombres. Puis il a rapporté le hadith qui est assez long. Et ce qui nous intéresse ici dans ce hadith, comme on dit shahid le hadith, c'est ce qui lui fut dit. Quels sont les pires gens dans ces troubles? C'est pour ça que Chéri rapporte ça ici maintenant. Et il dit, al-khatib al-misqa'a, al-misqa'a comme une barre, le même wazn.
hein, comme une barre. Et c'est, on peut traduire ça par le prêcheur éloquent, qui élève la voix, comme il va dire plus tard, il va dire le khatib ou dha'i' as-sawt. وَإِذَا تَكَلَّمَ أَسْمَعَ النَّاسِ. Donc, Cheikh, il dit, الخطيب المسقع, c'est-à-dire le prêcheur éloquent qui élève la voix, et il dit, والراكب الموضيع. Et le موضيع, ça vient du verbe أوضع يوضع. عليكم السلام. أوضع يوضع. Et Ibn al-Athir, rahimahullah, dans An-Nihaya, fi gharib al-Hadith, il dit, il dit que ce mawdi', c'est-à-dire qu'il est rapide, musri' fiha, dans les fitan. C'est-à-dire que c'est comme un cavalier ou quelqu'un qui est rakib, comme on dit, quelqu'un qui est sur une monture, mais qui s'y précipite, qui s'y hâte. D'accord ? Donc, comme Cheikh il dit, ha'oula sharun nas fil fitan lati takunu al-khatib al-dha'i al-sawt, idha takallama asma' al-nas, wa baharahum bi sawtihi, wa fasahatihi, wa balagatihi, comme mithl al-qardawi, fasahatun fi al-shar. وبلاغة في الباطل ودعوة إلى الشر. الشيخ الدي قطع الله لسانه وأمثاله وأمثاله كثير. قد انهارت قواه وهو يسعى في الباطل كما قلت لكم عيادا بالله. فهذا من رؤوس الشر وهو من الشرار عيادا بالله. الخطيب المسقع. On avait déjà traduit ce que ça voulait dire. نقلوه إلى مصر وهو يتده وأجلسوه على المنصة على كرسي مع السفهاء والغوغاء. والعامة رجال ونساء صغار وكبار ودهماء ويتكلم بكلام السفهاء ويخطب فيهم عيادا بالله من ذلك يحثهم على الشر فالإنسان العاقل الذي ينظر في النصوص الشرعية لا أنه يمشي وراء العواطف العواصف. Donc Cheikh il continue en disant que ceux-là, et il parle de qui? Les pires des gens dans les troubles. Et bien on avait dit c'était qui? الخطيب المسقع والراكب الموضع. C'est un hadith, hein? Et le Cheikh, il dit, ceux-là donc sont les pires des gens dans les troubles. Le prêcheur qui fait du bruit, qui fait entendre les gens, qui les éblouit, hein, par sa voix et son éloquence et sa prose. Comme Al-Qardawi, dont le Cheikh l'a déjà parlé, il dit qu'il est éloquent dans le mal et a de la prose dans le faux et appelle au mal. Et le Cheikh, il fait un doa, il dit qu'Allah lui coupe sa langue ainsi qu'à ceux qui sont comme lui et ils sont nombreux. Et le Cheikh, il sait pourquoi il dit ça. Sa force a diminué, mais il continue à aller dans le faux, comme je vous l'ai dit. Cheikh, on avait dit que le Qardawi a un certain âge maintenant. Hein? Il avait dit sa barbe a blanchi. Hein? Sa force a diminué, et il continue encore dans le batil. Cheikh, il dit, et ils sont nombreux à l'exemple de le Qardawi. Il dit, sa force a diminué, mais il continue à aller dans le faux, comme je vous l'ai dit. Et il dit, Cheikh, hafidhahullah ta'ala, nous cherchons refuge auprès d'Allah contre cela. Il fait partie des leaders du mal et des pires des gens. Le prêcheur éloquent, Al-Khatib, Al-Misqa'. Ils l'ont déplacé, il parle de qui ici? Al-Qardawi. Ils l'ont déplacé jusqu'en Égypte. Ils l'ont fait s'asseoir sur le podium, sur un podium, sur une chaise, avec les stupides et la racaille, comme il dit Cheikh ici. Al-Ghawra. Il dit, et la populace. Hommes, femmes, petits, grands, et la foule. Et il s'exprime comme un sot et prêche parmi eux, qu'Allah nous en préserve. Il les incite au mal. Celui qui est doué de raison, c'est celui qui regarde les textes légiférés, révélés. Et pas celui qui parle avec les, ou qui va avec les sentiments. Que Cheikh, il a utilisé une expression en arabe, il a dit la awatif al-awasif. Asif, vous savez, une asifa, c'est quoi? C'est comme un vent furieux. D'accord? Al-awatif, al-awasif. C'est-à-dire que les sentiments, elles font quoi? Hein? Elles sont comme le vent furieux. Et Cheikh, il continue en disant, donc il dit pas celui qui va avec les sentiments qui sont comme un vent furieux. Il dit, وخرج الشيخان في الصحيحين واللفظ للمسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قيل له لما كانت الفتنة في زمن عثمان. Et là on va voir un peu maintenant comment Salaf encore une fois se comportait dans les temps des fitnes. Et on doit les prendre comme exemple. Et il dit, قيل له أفلا تدخل على عثمان فتكلمه. فقال رضي الله عنه أترون أني لا أكلمه إلا إذا أسمعتكم والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه وفي لفظ إني أكلمه في السر قالوا c'est الشيخ qui parle ici ليش ما تكلم عثمان c'est un peu de la دارجة ici العامية il dit فقال أنتم لا تحسبون أني أكلم عثمان إلا إذا بلغتكم وحدثتكم هذا في إثارة إذا قلت لكم كلمت عثمان.
ما استجاب عثمان؟ ماذا يصير؟ يزيدون هذا لا خير فيه، هذا كذا وهذا وهذا، ما هكذا النصيحة؟ كلمته فيما بيني وبينه. فينبغي للإنسان أن يحسب الحساب لكلامه، لا سيما إذا كان أناس يرتقبون يقتدون به فهي لكون بسببه. فالواجب على الإنسان تقوى الله في هذا، فإن رأى في كلامه خيرا تكلم، وإلا سكت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. Cheikh il dit, il continue en disant, en rapportant, pour voir un peu le mawaqif des salafs dans les fitan. Justement parce que le fitan, comme on a dit, c'est une situation où on ne distingue pas le vrai du faux. Donc il faut savoir entre Ahl Sunna et il faut avoir ce qu'on appelle fiqh al-fitan. Il y a des chapitres dans le livre de la Sunna concernant le fitan. Dans Sahih Muslim, vous avez un chapitre qui kitab al-fitan, Sahih al-Bukhari, etc. Il faut lire ça. Cheikh Suleiman Rahim, lui, il a une très belle série de cours sur le fitan. C'est en arabe évidemment. Mais pour les frères qui ont l'arabe, il faut lire sur le fitan. Et on vit dans un temps de fitan. Pour savoir comment justement se comporter dans le fitan et être sain et sauf dans ces fitan. Et pas y prendre part. Donc, Cheikh, il dit, les deux Cheikh, il fait référence ici à qui évidemment, à Al-Bukhari ou à Muslim, ils ont rapporté dans leurs deux authentiques respectifs. Et il dit, et ici, Wallah fdou li muslimin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les deux Cheikh l'ont rapporté, mais la formulation ici, elle est de l'imam Muslim rahimahullah dans son sahih. Et il dit, d'après Oussama ibn Zayd, qui lui fut dit lors des troubles à l'époque de Uthman. Donc Oussama ibn Zayd, il y a des gens qui lui ont dit à l'époque des troubles, à l'époque de Uthman, radiallahu anhu arda, wa radiallahu anhu jami'an. Il dit, pourquoi n'entres-tu pas chez Uthman et ne lui parles-tu pas? Il répondit, voilà, regardez, c'est ça ma waqif salaf. C'est ça qu'on cherche à suivre ici. Il répondit, croyez-vous que je ne lui parle qu'en vous faisant écouter? Ce que je lui dis, c'est-à-dire quoi? Vous croyez que j'attends que vous sachiez ce que je lui dis, que vous écoutiez ce que je lui dis pour lui parler? Il dit, par Allah, je lui parlais en tête à tête, sans que je n'ouvre une affaire dont je ne veux pas être le premier à l'ouvrir. Et dans une autre version, je lui parle en secret. Inni ukallimuhu fi sirr. Il dit, pourquoi ne parles-tu pas à Uthman, comme il dit Cheikh ici? Il dit, vous croyez que je ne parle à Uthman qu'en vous faisant entendre cela et en vous informant de cela? Car il y a en cela une provocation, il dit Cheikh, il dit, fihi itharatun. Vous croyez que je vais vous dire que je lui parlais, que je lui dis telle chose? Et Cheikh va expliquer pourquoi. Si je vous dis j'ai parlé à Uthman, il n'a pas accepté, que va-t-il arriver à ce moment-là? Ils vont ajouter, ah, il n'y a pas de bien en lui, etc., etc., etc. Le conseil, Cheikh, il dit, ne se fait pas de cette manière. Je lui ai parlé en tête à tête. Et on a déjà vu dans le cours de Usul Sitta, avec l'explication de Cheikh Abu al-Jabiri, comment elle se fait dans ces ha? Elle se fait comment? Évidemment, chez Al-Sunna, on ne parle pas d'Al Bid'a ici. Les gens de la Sunna, comment est-ce qu'ils font conseil au gouverneur? Fessir, qui est-ce qui me donne un délit de la Sunna? Comme ça, là. Pour les frères qui suivent les cours d'Usul Sitta. Vas-y, t'fadda. Parmi les nombreux hadiths qu'on a cités, si tu en citer au moins un ou une partie, voilà, c'est ça. Man arada nasihatan. بنصيحة اليد سلطان فلا يبديه علانية ولكن يأخذ بيده. Qu'il ne fasse pas en public mais qu'il le prenne par la main. On a vu l'explication du hadith en détail. Alors que là, le cours est enregistré, on a un site internet spfbirmingham.com pour les frères et les sœurs qui veulent revoir ce cours-là. Alhamdoulilah, le cours est disponible. Donc, Cheikh ici, il rapporte le manhaj al-Sunna concernant le conseil au gouverneur. Parce que les gens de la Sunna, quand ils font conseil, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils ne cherchent pas le fawda, ils cherchent à rétablir la situation, à réformer les choses. Par al-Turuq al-Shara'iyya, ça c'est important de comprendre, par les voies légiférées, par qui? Par Allah subhanahu wa ta'ala. Le conseil ne se fait pas de cette manière, je lui ai parlé en tête à tête. Il incombe à toute personne de peser sa parole, surtout si les gens l'attendent et le prennent comme un exemple. Il dit le shir, car ils peuvent se perdre à cause de lui. Il est donc obligatoire à tous de craindre Allah dans cette affaire. S'il y a du bien dans le fait de parler, eh bien on parle, sinon on se tait. Le prophète a un hadith que le shir a pas cité ici, il dit « Man samata naja ». Celui qui se tait, il est sain et sauf. Et le prophète a dit « Il fait partie du bon islam d'une personne qu'elle délaisse ce qui ne la regarde pas ». Le shir, il rapporte, il dit encore « Wasma'u mawqifan akhar ». Il va donner encore un exemple parmi la sirah des salafs. « Yadulu ala fiqhi ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa waznihim lil kalimati » إخفاؤهم لها وإحجامهم عنها وإن كانت حقا لكن إن كانت ستؤدي إلى شر فإنهم يحجمون عنها وهي حق فكيف إذا كانت باطلا.
خرج البخاري في الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: خطب معاوية رضي الله عنه فقال: من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر، يعني في الخلافة، فليطلع لنقرأ قرنه، يعني يخرج رأسه، فنحن أحق به منه ومن أبيه. من كان يريد، regardez ce qu'il dit معاوية رضي الله عنه، من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر، يعني celui qui veut parler de l'califat, bien qu'il ne sorte sa tête, qu'il montre sa tête, comme on va le traduire dans un instant, inshallah. فنحن أحق به ومن أبيه. قال حبيب بن مسلمة فهري، وهو صحابي بن صحابي، صحابي فيز صحابي، وهو من صغار الصحابة، قال حبيب بن مسلمة لابن عمر رضي الله عنهم: فهل لا أجبته؟ ها؟ قال ابن عمر: فحللت حبوتي التي يربط بها أو يربط بها يربط بها ركبتيه إلى صدره. On va expliquer dans un instant qu'est-ce que ça veut dire le hubwa, c'est quoi, c'est les arabes. حللت حبوتي الحبل أو الثوب الذي يربط به ركبتيه يجمعهما إلى صدره. العرب ما كانت عندهم هذه الكراسي التي نحن عليها الآن يستند عليها، وكثيرا هم أهل بادية ما عندهم جدر يستندون إليها كما تستندون أنتم الآن، فما هي إلا الصحراء، فيحتاجون إلى حبا. Donc va traduire cette partie ici. Il dit quoi le cheikh? Il rapporte encore un autre exemple, la sunna. Il dit: écoutez un autre exemple de prise de position exemplaire qui indique la compréhension des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et la manière dont ils pesaient leurs paroles. Il y a des gens qui ne pèsent pas leurs paroles ou ils les pèsent sur la mauvaise balance. Hein? Et donc ils la cachaient et la dissimulaient. Et ce même si c'était une parole de vérité. Ah, ça c'est important. Parce que j'en abusais haq et akhi. Même le haq, tu ne le dis pas toujours. Hein? Le haq, tu ne le dis pas toujours. Il y a un fiqh là-dedans. Quand ça amène à un mal, ben, tu ne le dis pas. Il dit, cher ici, et ce même si c'était une parole de vérité, il la dissimulait et la cachait. Une parole de vérité, mais si elle amène à un mal, alors il la cachait tout en étant une vérité. Hein? Quand l'est-il alors si c'est quelque chose de faux? Al-Bukhari, rahimahullah, il a rapporté dans son sahih, dans son authentique, d'après le fils d'Omar, Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, il dit, Muawiya, radiallahu anhu, a fait un sermon et il a dit, celui qui veut parler au sujet de cette affaire, et de quoi il parle ici? Du califat. Qu'il nous montre sa tête. Et il dit, nous sommes plus en droit que lui à ce sujet et que son père. Celui qui veut parler au sujet de cette affaire, c'est-à-dire le califat, tous les troubles, cher, il dit, tous les troubles, ils tournent autour de quoi? Ils ne tournent pas autour de cette affaire, de l'affaire du califat. C'est ça que le cher, il dit, tous les troubles, ils tournent autour de cette affaire, le califat. Et bien il dit, cher, que Mouawiya a dit, radiallahu anhu arda, celui qui veut parler de cette affaire, mais qu'il nous montre sa tête. Hein? C'est-à-dire qu'il montre sa tête, qu'il parle. Nous sommes plus en droit que lui à ce sujet et que son père. Habib ibn Maslama Fihri, qui est un compagnon, fils de compagnon, et qui faisait partie des jeunes compagnons, il dit à Ibn Omar, regardez ce qu'il va lui dire, pourquoi ne lui réponds-tu pas? Le fils d'Omar, Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, il a dit, j'ouvrai alors ma hubwa. Hubwa, il va chercher à expliquer, c'est ce que les Arabes y mettent, et des fois, vous voyez ici des frères à la mosquée qui le font, c'est quelque chose que tu mets pour t'aider à t'asseoir. Hein? Prendre tes genoux sur ta poitrine. Pourquoi, comme va dire le cheikh dans un instant, les Arabes, ils ont pas de chaise à la base. Ils ont pas de mur. C'est des gens de la Sahara, du désert. Hein? Qui mettaient soit un câble ou une corde. Hein? Ou peut-être dans certains pays africains, ils le font, je sais pas. Hein? Mais dans certains pays arabes encore jusqu'aujourd'hui, même ici dans cette mosquée, il y a des frères qui le font. Hein? C'est qu'ils mettent un câble ou un tissu pour s'asseoir, qui regroupe leurs genoux, qui les amène contre la poitrine. Il dit, cher, alors que Ibn Omar, il a dit, j'ouvrai alors ma hubwa, qui est ce avec quoi ils liaient leurs jambes à leur poitrine. J'ai ouvert ma hubwa, qui est un câble, corde ou vêtement qui joignit leurs genoux à leur poitrine. Car les Arabes n'avaient pas ces choses sur lesquelles nous sommes assis aujourd'hui, sur lesquelles on s'appuie, qui sont les chaises. Beaucoup de gens à la campagne n'ont pas de murs sur lesquels s'appuyer, comme vous le faites, vous, aujourd'hui. Car ils n'avaient que le désert. Ils avaient donc besoin de ces, akum salam, hubwa. Ibn Omar, radiallahu anhu, il dit, donc, j'ouvris alors ma hubwa. Amsalam. Et j'ai pensé à lui dire, hein, c'est qui parle ici? Ibn Omar. Et j'ai pensé à lui dire, celui qui est plus en droit au sujet de cette affaire, c'est celui qui t'a combattu, toi et ton père, pour l'islam. Toi et ton père, Abu Sufyan, c'est qui, Muawiya, radiallahu anhu? Hein? C'est le fils de qui? D'Abu Sufyan, on est d'accord, ils sont tous deux des sahaba, hein? Contrairement à ce qu'il dit Sayyid Qutb.
Regardez, retournez au livre de Cheikh Rabi' Mata'in Sayyid Qutb fi ashabi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Il fait le takfir de Banu Umayya. Si je me souviens, c'est page 13. Il dit, Cheikh, il dit, toi et ton père Abu Sufyan, ceux qui sont plus en droit à ce sujet, sont les sabiqoun, ceux qui vous ont précédé en islam. Ceux qui t'ont combattu au combat de ton père jusqu'à ce que vous embrassiez l'islam. Ils vous ont donc précédé en islam. Sont-ils avant en islam, oui ou non? Cheikh, il dit. Hein? Ils sont donc plus en droit à ce sujet. Il dit, j'ai eu l'intention de lui dire cela, de lui dire, celui qui est plus en droit à ce sujet que toi, eh bien c'est celui qui t'a combattu et ton père pour l'islam. Mais regardez Ibn Omar, qu'est-ce qu'il a dit, radiallahu anhuma. Mais j'ai craint de dire une parole qui divise la communauté. Et fasse couler le sang. Écoutez cela, Cheikh, il dit. Ceci est dans le Bukhari. Beaucoup ont cherché à comprendre pourquoi ce hadith est dans le chapitre des expéditions, d'expédition de l'Khandaq. Cheikh, il continue, il dit. فيقول ابن عمر رضي الله عنهما فحللت حبوتي وهممت أن أقول له أحق بهذا الأمر من قاتلك وأباك على الإسلام أنت وأبوك أبو سفيان أحق به منكم السابقون الأقدم في الإسلام الذين قاتلوك وقاتلوا